C'est quoi? Je sais pas. On a plutôt intérêt à rester sur nos gardes. J'en compte trois. On peut se les faire gentiment. C'est préférable. Mais ça peut foirer. On peut tenter le coup, mais faut rester discret. Ok. Choisis chacun le sien. Samuel, Alice. Vous restez là pour nous couvrir. Vous deux, on y va. Ça va, ils sont pas tellement agressifs en fait, hein? On n'est pas assez organisé face à eux. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Joe, je pensais pas que ce serait aussi compliqué. C'est rien, allez, ça peut arriver. Tu dis que c'est rien? Si on en avait été plus vigilants, Anna et Paul seraient encore en vie. Et Benjamin, tu as déjà oublié, c'est ça? En fait, vous en avez rien à foutre de lui. Mais Alice, on sait même pas si Arrête Benjamin... C'est très bien qu'il nous aurait jamais quittés comme ça. Qu'il m'aurait jamais quitté. Après tout, c'est peut-être ce connard de Grégory qui cherche à se venger. T'as jamais pensé à ça? Tu sais très bien que c'est faux. Ça fait des mois qu'on l'a pas vu. Et presque tous ces hommes sont morts. Mais pas lui. Il est vivant. Tu vas trop loin, Alice. Toi, tu te prends pour notre chef depuis le début. Et t'as même pas été foutu de les sauver. Anna et Paul sont morts. Et Benjamin aussi. Je vais dire aux autres qu'ils peuvent venir. Il aura peut-être fouillé quoi. T'as raison. C'était pas tout seul. On est avec toi. Ok. Ce truc. Expérience numéro 17. Aucun signe de changement pour le moment. Tout est là normal. Expérience numéro 42. La population change, le projet est lancé. Expérience numéro 58. La population est infectée et infecte les autres individus. Le projet suit son cours, mais c'est quoi ce bordel? Attends, je comprends pas là. Ça voudrait dire que des gens auraient fait des expériences sur la population? Alors ce serait un complot. Tout ça serait la faute de l'homme? Attendez, calmez-vous là, c'est peut-être une erreur, c'est peut-être juste une coïncidence. Je crois pas. Une coïncidence qui correspond parfaitement avec ce qui s'est passé depuis quelques temps? Je pense pas. Par contre, on est peut-être observé. On va aller avec Emma chercher à manger, on vous retrouve ici.
Tu vas où, Thomas? Je me sens pas très bien. Tu allais très bien tout à l'heure. Non. On t'a jamais vu comme ça. Tu crois que... Thomas. Ton couteau. Donne-le-moi. C'est le même symbole. Je peux tout vous expliquer. Il est pas à moi. Dis-nous la vérité. C'est quoi ces conneries là? Sam, laisse-le. Explique-nous maintenant. Comme je disais, ce couteau, il est pas à moi. Il appartient à David. Le mec que j'ai rencontré juste avant de vous voir. C'est lui qui me l'a donné. Continue. Mon père m'avait parlé d'un projet irréaliste. C'était il y a 2-3 mois environ. Travaillait dans quoi ton père? Je sais pas, il était toujours super mystérieux par rapport à ça. Il voulait m'emmener avec lui. Sauf que j'ai fui, j'avais pas confiance. Pourquoi t'avais plus confiance? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était devenu étrange ces derniers temps. Alors j'ai préféré fuir. Surtout quand il m'a parlé du but de ce projet. Quel but? Anéantir l'humanité. Il t'a dit qui voulait faire ça? Non. Non, je suis parti avant tout ça. C'est après que ce bordel a commencé. Et c'est quand j'ai rencontré David que j'ai fait le lien entre tous ces événements. Chez lui, dans les bois, il y avait une photo de lui et de mon père. Attends deux secondes. T'es en train de nous dire que toi et ton père étaient au courant de ce bordel? Et que le mec qui était avec toi faisait partie de ce projet? Non, j'en savais rien. Et tu oses nous dire ça seulement maintenant? J'avais raison de me méfier de toi! Sam, arrête! Il a rien fait! Il nous a menti! Non, c'est faux! Et ça depuis le début, il nous a trahi! Stop! Maintenant, vous m'écoutez tous! Thomas n'y est pour rien dans cette histoire! Et le prochain qui s'avise à lui faire du mal, je m'en occupe personnellement! Putain, Sam, mais regarde-toi! On essaie de survivre ensemble, ici! On est tous dans la même merde! On doit rester unis! Et si Thomas nous a pas expliqué, c'est qu'il avait peur de notre réaction! De ta réaction! Je crois qu'un jour, tout ça, ça va s'arrêter. Je veux dire, tu tournes de l'air à comme avant. Je sais pas trop. J'espère en tout cas. Mais c'est trop bien, un jour on va rentrer à la maison. C'est trop bien. Par devant, j'arrive. D'accord. Ça va? Bien, ça y est, c'est bon. Ouais, ça va. Reste avec moi. On y aille maintenant. Ok, Ben. Vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait attaquer, mais ça va, elle a rien. On a trouvé un endroit pas très loin d'ici. On pourrait peut-être s'y réfugier, ça a l'air plus sûr. Ok. Bon, on ira demain. Allez vous reposer maintenant. Reste avec moi.
J'aimerais bien prendre une douche. Ça fait tellement longtemps. Ouais. C'est pas trop ce à quoi je pense en ce moment. Mais, c'est vrai que ça ferait pas de mal, quoi, c'est sûr. Ouais, c'est clair. J'espère que dans l'endroit que vous avez trouvé, il y aura de quoi se doucher. Emma, ça va? Oui. Oui, enfin, je suis désolée, pardon, c'est... Ouais, j'aimerais bien me laver aussi. Voilà donc cette fameuse grange. T'es pas mort, Ben. Je le sais. Je viens de trouver la grange. Elle est à quelques pas d'ici, là. T'as vu personne? Non, rien du tout. Il vaut mieux être vigilant. On a plutôt intérêt, ouais. On y va! Alice, faites le tour pour voir s'il n'y a pas désinfecté. Les autres, vous restez dehors en attendant. Ben et moi, on va à l'intérieur pour voir si c'est sûr. Tu viens? Allez, j'arrive. Même si c'est dur. Ouais, je sais bien. Et je m'en excuse. J'ai carrément abusé avec lui. Je pense qu'il attend tout simplement que tu lui dises. Il le prendra bien. Et puis ça soulagerait tout le monde après les tensions d'hier. Je le ferai. Bien. Ouais, je pense qu'il n'y a personne. Ils peuvent rentrer. C'est bon, vous pouvez venir! Sincèrement désolé pour tout ce que je t'ai fait hier. J'espère que tu pourras me pardonner et qu'on pourra repartir sur de bonnes bases ensemble. J'accepte tes excuses. C'est plusieurs mois qu'on vit tous ensemble et il faut qu'on essaie à l'écoute. Merci mec. Merci. Y'a personne dehors. C'est vraiment bizarre. L'endroit a l'air mort. Et on comprend pourquoi.